Beau matin à toutes et tous, et bien voilà, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 14 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, et bien, cette petite philosophie du matin, comme chaque matin, pour être heureux tous les jours, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, 14 juin, se comporter comme en société. Devant des amis ou même des inconnus, chacun d'entre nous a tendance à donner une bonne image de soi. On parle poliment, on écoute, on sourit, on est aimable avec son conjoint, on évite de s'énerver, bref. On se montre sous son meilleur jour pour offrir un aspect valorisant de soi et de ses proches. Pourquoi ne pas faire de même dans l'intimité et sans témoin? Notre vie quotidienne deviendrait, eh bien, plus paisible et plus heureuse. Belle philosophie! Soyons dans l'intimité ce qu'on est devant la société. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé pour terminer la loi d'attraction. Vous connaissez toutes et tous hein, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous attire dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. De manière consciente et inconsciente, eh bien, vous êtes un créateur ou une créatrice, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est le bon moment, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez, un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé, eh bien, face à des personnes ou des situations en résonance, n'est-ce pas, avec qui vous êtes. Parce qu'encore une fois, vous avez un pourcentage avec ces personnes. Et en permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Alors qu'elle soit positive ou négative, n'est-ce pas, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle. C'est elle qui propulsera votre destinée. Aussi, soyez attentif, n'est-ce pas, à votre état d'être. Éprouvez-en. Vous, le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Il faut éprouver en vous ce côté constructif et positif. Sachez ce que vous voulez dans la vie et visualisez. La loi de l'attraction, c'est quoi? Visualisez ce que vous désirez. Prenez une photo de ce que vous visualisez, ce que vous aimeriez et visualisez. Allez, exemple, recherchez dans un magazine la maison de vos rêves. Découpez cette maison de vos rêves et mettez-le sur votre frigo. Tous les jours, vous visualisez cette maison. Et c'est cette maison que vous aurez un jour. C'est la pratique de la loi d'attraction. C'est concentrer l'énergie positive. Et si maintenant vous concentrez l'énergie négative, vous aurez ce que vous aurez du négatif, n'est-ce pas?
Mais si c'est le cas, vous devez gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative, comme par exemple « oui mais »,« oui mais », ah, on le dit souvent, hein, ça, « oui mais », ne pas, ne pas, pas possible de, c'est tout, c'est négatif, etc. Et tout, toute cette forme, tout ces, cette formulation, ces formulations qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Alors, réfléchissez et pensez-y. Et surtout, pensez positif. Pour développer votre intuition, vous utilisez votre intuition, bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment vous fonctionnez, ce qui motive vos choix, qu'ils soient anodins ou importants, n'est-ce pas? Cela vous aidera à identifier, eh bien, peut-être ce qui est mental de ce qui est intuitif pour élucider un problème. Demandez, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Et c'est ainsi que vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. On termine avec une belle carte positive, la loi d'attraction. Et je termine avec énergie de guérison. Et aujourd'hui, j'ai pigé la voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière, de cette belle lumière blanche. Je vous souhaite un excellent week-end, une magnifique journée. Un joli week-end dans l'amour, n'est-ce pas? Dans la loi d'attraction, visualisez ce que vous aimeriez. Dans l'amour inconditionnel, dans la tendresse, dans le rire, la joie. Et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Prenez soin de vous. En douceur, avec beaucoup de douceur. Ne soyez pas dur avec vous, c'est important. Et puis moi, voilà, moi je vous embrasse tout fort et je vous dis à très 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 vite.